Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Docteur Michaels? Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio de sable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, gares. Après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? Il devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable, seul ville depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Yori, je voulais vous demander, que pense l'équipe de SAP de notre relation particulière? Ah, oh, ils adorent. Ah ouais, tant que ça? Disons que s'ils apprenaient que je vous donne toutes ces infos, au mieux, je m'en tirerais avec une cellule sur l'île de Riker. Je veux pas vous mettre en danger. Si c'est plus simple pour vous d'arrêter toute communication... Il n'en est pas question. La ville a plus que jamais besoin de nous deux. SAP peut bien aller se faire voir. J'en ai vu d'autres. C'est pour ça que vous êtes la meilleure, Yori. Rien ne vous affecte. Ça, c'est vrai. À toutes les patrouilles, on vient de nous signaler une bombe. Besoin d'agents dans le quartier d'Hudson Yards. Répondez. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? Standish, les démons veulent quelque chose à Grande Centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Des petites coupures aux blessures par balles. La nanotechnologie brevetée Oscorp peut multiplier la vitesse de rétablissement par mille. Plus qu'une simple histoire d'argent, nous vous faisons gagner du temps. Attention, veillez à ne pas laisser vos enfants sans surveillance. La gamme de munitions intelligentes brevetée Oscorp, équipée de capteurs, a réduit de 94% le taux de victimes accidentelles sur le champ de bataille. Mettons à votre disposition des bacs de recyclage. L'équipe de recherche et développement d'Oscorp travaille sans relâche sur un nouveau modèle de batterie capable de se recharger par ondes sonores. Dans quelques mois, vous pourrez acheter un téléphone que vous n'aurez jamais besoin de brancher. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers du globe. Oh.
vos données avec l'encodeur Cerber d'Oscorp, le seul algorithme du monde mathématiquement prouvé inviolable. Apparemment, Osborne a fait appel à une aide extérieure. Il va payer ça de sa poche. Voilà le genre de leader qu'il faut. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp, permet d'effectuer des interventions d'urgence sur les terrains les plus inhospitaliers. Des petites coupures aux blessures par balle. La nanotechnologie brevetée Oscorp. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Du maire Osborne. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande ? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous ? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Ou vous aurez plus de sang sur les mains. MJ, je suis en route là. T'es blessé ? Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare ? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fixes le camp ! Il fera rien tant que Norman Osborne sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mentale. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose ? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien ? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Fabrique Spider-Man. À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi ? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper ? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Ok, je suis prête. Attention ! Ting dans, Samulama ! Ok, bouge. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. J'entends mon inichon. Non ! MJ, qu'est-ce que tu fais ? On va tous se détendre. Ting ! Pour un bani et pis. Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment ? D'abord,
Lâchez-le. Li先生，设计师说他知道怎么找到奥斯本。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。Avance. Jouer. Maintenant, faut que tu sortes d'ici. Et le souffle du diable, alors? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard. Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. De les séparer. Benji, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête ! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Élimine-le. Chope-le. Maintenant. Negative, tu es où? Il est juste là, à côté. Nous allons rapidement le capturer. Il m'empêche de passer. Je suis prêt. Le capteur est encore là? Le contrôleur est en main.
不过我们也不找到他。 Lancez le décompte. C'est le moment. Détourne leur attention. Je m'occupe du souffle du diable. Détourne ce que tu fais. Non. Oh, ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Ok. J'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Décompte vient de passer à 30 secondes. Ah. Bon, maintenant le rouge. Ça y est. T'as réussi ? Oh. Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt ? Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Bayman Antoine. Je dois faire attention ou ils vont s'en prendre aux otages. Pourquoi Martin Lee tient absolument à terroriser New York ? Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais qu'on s'était lu.
Ok, MJ, allez-y. Bien reçu. Suivez-moi, par ici. Bien comme MJ, là. T'as un chat, tu sais, chat. MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Hey, Peter. Ouais? Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'abord, trouve-lui et fais-lui une raclée. Si MJ a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas être à sa place. Là, je me sens pas hyper tranquille. Ok, c'est l'heure du point culture. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York? C'est fou, hein? On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Ah bah oui, à qui dites-vous? On n'en fait plus des comme ça. C'est que New Yorkais avait la niaque à cette époque. Enfin bref, je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain. Mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Il a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. L'accès au quai est ouvert. Il doit se trouver par là. Va m'échapper. Te voilà enfin. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Est-ce que vous faites ça? Pour régler une vieille dette. Je ferais mieux de rester à distance. Ou jamais. Il s'épuise, on dirait. Il n'est plus protégé. Je peux vous aider, Martin! Pas de frein ?
Pas de problème. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e ? Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi ? Prochain arrêt, la prison. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant! Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Les textos, ça compte pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Réponds non. Ah, ok, ça va. Non, ça va pas. Mais à quoi elle veut réfléchir ? Tu crois ? Génial.